c'est dans l'air. Le fugitif s'appelle Cornelius Gutiérrez Ramos. T'as entendu ça? C'est un violeur multirécidiviste, déséquilibré et violent. Richard! Putain, mais t'as pas l'impression que tu m'emmerdes là? Mais j'essaie de lire mon journal, tu vois pas? M'appelle pas comme ça, je t'ai déjà dit. Richie? Quoi? Tu sais, avec ce type qui rôde dans les parages là, je me disais que peut-être ce soir tu pourrais. Quel type? Ben, le fugitif! C'est lui qui s'est évadé ce matin, là, Ramon, ou je sais plus trop quoi. Quoi, tu pisses dans ta culotte, c'est ça? Non, mais tu t'es regardé dans la glace ce matin? Tu risques pas grand-chose, hein. Oui, bah, je suis pas super rassurée, du coup, je me disais que peut-être que ce soir, tu pourrais rentrer un peu plus tôt, non? Ce serait super. Et Annalisa, on est vendredi. Tu sais bien que j'ai une réunion super importante ce soir. T'as encore une réunion? Heureusement qu'il y en a un qui trime dans cette baraque, hein. J'arrive pas à comprendre pourquoi t'as des réunions le vendredi soir pour vendre des cabines de douche, en fait. Putain, mais c'est quoi le problème? Je fais encore ce que je veux, merde. Puis t'as reniflé trop de liquide vaisselle ou quoi? T'as tes règles. Mais s'il s'approche d'ici? Hein? Qui ça? Mais le type là, Ramon! Oh putain, Anna! Tiens! Si tu le croises ton Ramon, tu prends ça et tu lui fabriques un deuxième trou de balle. C'est les témoins de Jéhovah ? Ferme-la, Céline Dion. Ah,
je t'en supplie, écoute-moi. C'est un malade mental, ce mec. C'est une brute, une bête sauvage, un fou furieux. S'il te plaît, fais ce qu'il te demande, sinon il va nous buter. Il va nous buter tous les deux. T'as vu comment il t'a embrassé? Il a pas du fort de bonne femme depuis des années. Il veut juste tirer son coup. Je sais que c'est pas facile, mais laisse-le faire, sinon il va nous buter, bordel. Je t'en supplie, fais ça pour moi. Sois forte, ma chérie. Je t'aime. Non. Non, il va pas embrasser. Il va pas embrasser ici. Il m'a juste dit qu'il était gay et qu'il avait très envie de te casser les reins. Il a pas dû tirer son coup depuis des années, tu vois. Écoute, chérie, je sais que c'est pas facile, mais laisse-toi faire. Sinon, il va nous buter tous les deux. C'est ma vieille capote. Je vais te donner une bonne raison de couiner, moi, Loverboy.